Salut tous, je suis au camping du Moulin de la Frette. C'est en contrebas de Toria. Donc en fait j'ai une grande descente à faire. Une belle descente d'ailleurs. Et il se trouve qu'il y a un petit étang dans le camping avec des poissons de malade. Et il me semble que c'est des truites. J'espère qu'on les aperçoit bien avec le portable. Bon, pas trop mal. C'est énorme. Ah, c'est gros ça. C'est peut-être une carte, non? Elle est difficile. Voilà. Non, c'est des truites. Ah, c'est des petites truites. Oh la vache, regarde comment il est énorme, tiens. Regarde comment il est énorme. Oh putain! Oh, il fait presque un mètre, tu vois. Moins 70 cm. Oh vache. Oh sa mère. Oh putain. Pour les amateurs de pêche. Je sais pas si c'est une truite, mais... Oh, il est énorme. La vache. Oh, ça merde. Alors, on va par là. Ouais, au moins 70 cm. Je sais pas ce que c'est comme poisson. Un mini requin. Bon, le reste c'est des. Ah, c'est des truites. Ah, ils sont énormes. Ils font 3 kg de machine. Bon, bah. Le camping, c'est pas. Il est pas encore blindé, mais. Que c'est encore ouvert, ce qui ça marche encore. Là on est en bordure de la forêt là je suis en contrebas de Toria où je suis au moulin de la Frette, ça s'appelle, c'est le camping. Donc côté droite là c'est Orgelet qui est par là. Après Messia, c'est en face, c'est de l'autre côté de la colline. Et là, si je retourne sur la gauche, je longe la forêt, le long de la rivière, logiquement. Et je rejoins la route là, entre Messia et Soucia, je crois. Voilà, moi, je vais me balader par là, je pars à l'aventure jusqu'à ce soir. Il a un coup. Hein. Ouais, il est beau le camping. Il y a des prairies en hauteur et tout. Super beau, c'est super calme. Normalement, c'est pas merveilleux. Hein. Ouais, voilà, je vais me balader. Puis je ferai sûrement 2-3 vidéos de plus. Histoire de montrer le décor. Là je suis dans une plaine, ça va être sympa, on verra dans la forêt comment ça se passe. Enfin, dans la forêt,
Ouais, bout de forêt, quoi. Moi, sur la droite, si je continue par là, là, sur la droite, normalement, je rejoins le lac de Vouglans, comment ça peut, en gros, c'est l'appendice du lac de Vouglans, c'est une embouchure, une appendice. Donc, il y a la rivière, là, je ne sais pas si c'est l'inverse, si elle se jette dans le lac ou c'est l'inverse. Normalement, c'est l'inverse. C'est la rivière qui se jette dans le lac. Je vais voir, je vais me balader par là, voir si c'est pas trop loin. Mais logiquement, je dois être à peut-être 1 km ou deux de la pointe de l'appendice. Bon, voilà quoi. Bon, allez, à plus tard. Ah. Ouais, je vois un petit bout de chemin. Genre 100 mètres, 200 mètres. Sorti du camping, direct, il y a une petite cascade. Oh merde. Ah bah. Là, c'est marécageux. Oh, une mini cascade. Bon, enfin, c'est beau, c'est. C'est pas plus beau, hein? C'est pas plus beau, mais. C'est mignon. Ouais. Là, j'y vais pas, là, je m'enfonce. Ah, en fait, j'ai pas été le long de la forêt, enfin de la forêt, de l'autre côté de la rivière, mais donc du coup je suis à droite de la rivière et j'ai vu une petite affichette là, au fond du camping quoi, lac coin à Douce, un truc comme ça quoi. Donc du coup on rejoint le lac par là quoi. Bon allez. Ça y est, je suis au bout, je suis à 50 mètres, même pas. Bon, bah, en fait, je suis arrivé, même. Un pêcheur, vraiment, au pied de la route, là, là, pour choper les poissons ou les truites qui viennent. Qui vient se poser dans une grande plutôt calme. Donc c'est bien ça, c'est la rivière qui se jette dans le lac. Voilà, il y a des mini cascades. Je suis passé devant une cascade à sécher, mais elle doit fonctionner l'hiver, hein. Ça doit débiter. Voilà, une partie le bout de la rivière. Moi je vais peut-être faire trempette dans le lac et puis je vais repartir de l'autre côté, direction la route, là, le long de la forêt. Moi, sympatoche, il n'y a pas de poisson. Hein. Donc, moi, c'est une petite balade. Plus tard. Bon, ouais, j'ai discuté avec les messieurs, là, puis ils se posaient tranquille. Hein. Donc, du coup, je suis vraiment à la pointe de l'appendice, là, le coin d'Ados, apparemment. Hein. Mais le chemin, il s'arrête là, quoi. Je peux pas aller plus loin. Là, la colline que j'ai descendue, fou, il y a au moins 2,5 km de descente. 2,5 km, 3 km, ouais. Et là, ça monte. Bon, là. Moi, je vais repartir à l'opposé. Hein. Il y a un pêcheur sur la gauche, hein, mais on ne voit pas. Je voyais sa canne tout à l'heure. Ouais, je m'attendais à faire 30 mètres plus loin, là. Mais là, l'eau stagne.
belle. Puis, carré et tout. C'est pas beau quoi. Non. Voilà que. Oh, il y a un nuage de fumée là. Putain, il a sorti le Pecos. Bon, allez, à plus tard, les gars. Ciao. Ça coule de partout quoi. Hein. Bon, je suis arrivé à un point où il y a des pancartes. J'ai déjà fait 10 bornes hein, jusqu'à ici. En passant par Toria, la grande descente jusqu'à ici. Et là, je me retrouve là. Donc, si je fais demi-tour, port de la 16, port de la 16, c'est Argelès, je crois. Non, ah non, c'est Pont-de-Poite. Bon, bref, Toria, je suis passé par là. Moi, je vais passer par là. Petit saut Girard. Et, je vais rejoindre la frette, là, donc 7 km 2. Je vais voir ça avec mon compteur. Et si je monte à droite, là, c'est Roche, Brison, Coiron, Messia. En fait, là, bah, je monte la colline, quoi, carrément. Quoi. Là, il y a de la côte. Là. Je traverse la forêt en passant au-dessus de la colline. Donc, je suis à 2,9 km du Messia. Puis après, c'est de la route, quoi. Moi, j'ai le long de la rivière. Là, il y a du chemin, hein, 7 km. Allez, c'est parti, on va se balader. Bon, pour le moment, c'est un chemin peinard, quoi. Entre plat et faux plat. C'est. Et là, t'entends pas un chat gueuler quoi. Bon, allez. Okay. Ah, ouais. J'ai 30 mètres que je monte. À un moment donné, je suis obligé de monter. Ça grimpe. Je vais tourner sur la gauche. Beaucoup de racines au sol là sur les chemins quoi. Putain petit. Voilà quoi. Allez je continue la route. J'ai regardé le compteur là. J'ai fait tout juste un kilomètre quoi passer. Et là j'ai voulu tourner à gauche parce qu'il y avait deux chemins quoi. C'est curieux, je pars à l'aventure, je regarde. Et je suis tombé bah, en fait sur une partie de la rivière asséchée. Ouais, même pas un bout qui coule quoi. Non, ça devait bien couler hein, à une certaine époque. Ou peut-être que l'hiver. Ça sent creux. Hein. C'est vraiment séché quoi. C'est bizarre. Hein. Il y a de la mousse et tout. Mais... Putain, mon chien c'est mousse. Ben, moi j'ai bien envie de reprendre le chemin. La gauche de la rivière. Mais... Bon, ouais, y a pas de poisson là. Hein. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, ça devait bien couler. Hein. C'est dingue. Hein. Oh, putain, il y a même un ressort de. Je sais pas quoi. Non mais... Putain. Vache. Ouais là... Ah, c'est beau ça.
déjà vu. Hein. Voilà, ça devait bien couler hein, à une époque. Pour que les crevasses comme ça, hein, tout lisse, ouais. Ça devait bien couler. Là, j'ai pas plus loin, ça. Hein. C'est quand même sympa à regarder. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, ou qui ont connu cette rivière qui coulait quoi à l'époque. Bon, parce que à droite ça remonte. Là j'hésite quoi. Ces deux parcours. Ça se rejoint plus ou moins, je sais pas, je connais pas du tout. Bon allez on se casse. Ciao. Ça descendait un peu. Là, c'est tout sec. Hein. Là derrière il y a des rochers et tout. Ça fait un peu genre ça quoi. En plus haut. Là, c'est tout sec. Pas un poisson. Là. Ouais, c'est tout bouge, je sais pas où je suis là. C'est beau quoi. Ah, t'as pas emmerdé. Hein. Bon, allez, on se casse. À un moment donné, j'ai dû faire 5-10 mètres là, à moitié les pieds dans l'eau, face il y avait la rivière. J'ai plus de chemin de tracé, c'était vraiment en bordure du ruisseau là, de la rivière. Puis j'arrive à une intersection où apparemment bah, ça devait couler à l'époque. Ouais, à une certaine époque où même l'hiver, ça ne doit pas couler des masses. Hein. Ouais, ça devait pas couler des masses. Hein. C'est bien que ça fait un vide. C'est vrai qu'il manque quelque chose, quoi. Ouais, ça fait un moment que j'avais pas vu ça. Des flaques. Deux, trois fois de flaques d'eau qui traînent là, et qui stagnent. Ouais, même là. Bon, il n'y a pas de trésor. Hein, mais... Voilà, l'eau fraîche. De l'eau en dessous quoi, mais... Ah ça fait un... C'est vide, hein. Bon, allez. Là j'ai même pas fait 2 km. Oh. En fait c'est plus senti randonneur que vélo quoi. Voilà, je continue là moi. Pas vraiment en vélo, alors. Je fais plus marcher que vélo. Là, je roule sur des caillasses, laisse tomber. C'est la merde. Ouais, sinon, j'avais vu une petite
morceau carré là, fichette carrée là, sur un arbre là, bah, à l'entrée du. Là, un petit peu plus loin là. Pour dire qu'il fallait longer le bout de ruisseau quoi, rivière. Avec un cycle hein, comme ça, carré. Sinon, je me dis merde, le chemin, il n'y a plus de chemin quoi. Voyons, on se casse. Moi, j'ai même pas fait 10 mètres. Enfin, je voulais montrer que l'intersection, là, le bout de rivière. Voilà, c'est un bout de falaise. Hein. Tu vois, derrière les arbres là. Ça devait bien couler quoi. À une époque. Putain, il y a un pigeon dans le coin. Et là, je monte, mais. Putain. Ah, on peut pas vraiment faire du vélo là. Hein. Je suis parti à 130 du camping où j'ai fait tout juste 2 km là. Et apparemment, s'il y a 7 km 2, il y a un peu de chemin là. Hein. Sur 5 km. Hein. Putain. Voilà. Bordel. Quelle idée après ce chemin à la con. Ouais, tu te pancartes. Ah, t'as voulu se balader là, hein? Putain. Ouais, c'est. Même plus de la randonnée, c'est l'escalade. Bordel. Ah, je sais pas si. Gauche, ouais. Ah, si, il y a un tiré sur l'arbre. Oh la vache. Bon bah faut jouer un peu là. Là je vais ramper. Ouais, je me dis j'aurais dû rester à la maison. Avec le vélo bordel. Bon bah on va essayer le petit tiré rouge là. Putain. Là je sais pas où je vais là. Putain la vache. C'est la merde. Ah wesh. Oh putain. Oh putain. Pas top avec le dos. Ah, ça monte là. Putain. Ouais, je vais. Ouais, je suis obligé de couper là. Je sors les griffes. Ça redescend. Ça fait chier quoi. Parce que si je dois re-escalader. Je sais pas. Là, tu fais pas du vélo là. Hein. Oh putain, il y a. C'est un pneu. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Ah, on dirait. Ça ressemble à un pneu. Tout noir là. Bon bah on descend. De toute façon tous les chemins mènent à Rome, hein, puis Rome c'est. Bah c'est par là hein, il me semble. Hein. Il me semble bien. Hein. Moi j'ai coupé parce que j'ai besoin de demain. Bon bah je suis arrivé
En haut de une petite falaise là, super impressionnant. Hein. Il y a 7 mètres de haut là, dans ce genre-là quoi. Il y a une petite cavité là. Apparemment c'est un pneu. Hein. Je sais pas comment il a atterri ici, mais. C'est dingue quoi. Il faut chier ces mouches à la con. Je suis où là? Putain. Là juste en face, on dirait comme une grotte. Une sorte de grotte là. Il faudrait passer par la rivière pour voir ça quoi. Ça va loin. Ouais, il y a de l'eau aussi qui stagne. Hein. Les bons blocs de roche. Hein. Bon, là, je suis vraiment. Là, je me rends pas compte, mais. Ça s'éboule mon pote. On fait une petite marche arrière. Hein. C'est pas vraiment de la roche, c'est entre la terre et cailloux. Il suffit de. Je fais pas 20 kilos. Hein. Je fais 90. Hein. On sait jamais. Hein. Bah, je vais suivre le petit tiré jaune là. C'est vraiment des chemins à la con, putain. Voilà. Puis j'ai fait quoi? 2 km 80. Je suis mal barré, il est 9 h. Il y a un morceau de tôle là. Ouais, ça vaut le coup, hein, randonnée, c'est cool. Ouais, ça va être impressionnant quand ça coulait, hein, à l'époque. Bon, là, je dois grimper là, moi. Ouais, ça devrait être. Je sais pas si je monte à gauche ou c'est long à droite. Là. Bon bah allez. Oh, vache. C'est balisé mais. Bon j'ai trouvé une nouvelle pancarte. Enfin des pancartes. Sinon, c'est un peu la merde. Ouais. Petit saut Girard, 520 mètres. La frette, je suis à 3 km 100. Toria, 5 km 9. Aquarion 5-4 et en fait Toria là, après Roubaix comment? Ah bah oui des fois le vélo je le porte c'est vrai là ça marque 2 km 7 mais ça se trouve j'ai fait plus de 3 km ouais. Donc ah vache. Allez. Bon bah je continue par là je sais pas où ça mène là
Allez. J'ai entendu la route. J'ai entendu une bécane. Putain. Bon, en fait, jusqu'au petit saut Girard. À 120 mètres. Ouais, quelques mètres de haut. Mais... Ah putain, mouche de merde. Faut chier. Hein. Voilà. Ça, ça va faire une belle cuvette quand même. Pourtant, ces photos, on voyait que ça coulait la rivière et tout là. Même les cascades, une petite cascade là, ça devait être sûrement le saut du Girard, la cascade que je voyais en photo. Voilà, quoi. Bon, j'espère que ça vous plaît, petite balade là. Allez, c'est reparti, un peu de route. Hein. Ah, j'ai entendu une bécane, la voiture. T'as chié, Alex, hein? Bordel. Un petit peu quoi. Ouais, je suis obligé de porter le vélo. Pousser ça. Là, souvent c'est pas top. Je pourrais remonter, mais je sais pas. Ah! Il y a la route pas loin. Moi, je vais aller en face. C'est balisé. Ouais, ça croustille. Je vais couper un coup là.